Eh bien, salut tout le monde, c'est Tutodani, j'espère que moi je serai, et on se retrouve enfin pour le premier épisode de ma spéciale sans abonnés. On se trouve sur Call of Duty Modern Warfare 2 sur PC. Et là, j'ai un petit peu me présenter mes classes, mes caractéristiques, et on va faire un live en domination en compagnie de Nico. Donc, je t'invite à me rejoindre, Nico. Et alors, je vais présenter un petit peu mes classes. Alors, Nico, il m'entend, mais il peut pas parler. Donc, alors, mes classes, on va présenter ça tout de suite. Alors la CR avec le silencieux, PP 2000, etc. Alors les atouts ils reviennent toujours et les accessoires aussi. Toujours Semtex et paralysante et toujours pillard pro ou passe-passe, force de position pro et visée solide pro. Ensuite la TAR 21, le Minusi, non, je vais renommer, c'est FA. Masse. Ouais bon moi je préfère quand même le silencieux. La Scarache, la P90, c'est une très bonne arme. L'intervention et le baril. Alors, l'intervention, j'ai mis marathon. Je sais pas, on m'a dit que c'était pas mal. Donc, j'ai envie de tester. Alors, là, c'est la minute tuto que je vais faire. Alors, là, j'ai pourquoi j'ai des couleurs, etc. Donc, j'ai un petit peu vous présenter pourquoi nos pseudos ont des couleurs. Alors, ça marche que sur les Call of Duty, hein, je précise. Donc, faites changer votre nom, vous mettez un chapeau. Et vous mettez une lettre n'importe laquelle et ça va changer votre votre couleur. C'est Nico qui me l'a appris et ben ça la change tout. Mais quand vous allez parler à un pote par exemple, là j'ai parlé à Blue, voilà, et ben vous allez voir que mon pseudo, bah on voit tous les numéros, mais bon on s'en moque un peu hein. Donc voilà. Alors je vais remettre ma couleur initiale et on va commencer un petit peu ce live. Je vais vous montrer un petit peu mes caractéristiques et les caractéristiques que j'utilise. Alors j'utilise le drone, le missile Predator et l'arrière. En gros je libère mon drone, je le balance, j'essaie de faire 2 kills sans mourir, je balance mon Preda et normalement si tout va bien j'ai mon arrière. Et après mon arrière il fait sa life. Donc mes caractéristiques, je suis niveau 53, prestige je sais pas combien. Bah là vous regardez mes stats, hein, 144 victoires, 215 défaites. En même temps je jouais beaucoup deux fois seul, mais bon. Après, je sais pas, là j'ai 459 éliminations et 4329 morts, etc. J'ai 2 jours de jeu, 13h et 54 minutes. Alors là, Detrax, c'est une team que je viens de créer chez moi, le leader. Donc voilà. Alors j'ai présenté un petit peu la Detrax. Dans la Detrax, je suis avec Nico, Dailox, alias Dailing, Washiz, Trizizex, Janterre et Nico. Alors j'ai un petit peu présenté les membres de la team, j'ai balancé une domination. Alors, donc moi je suis un petit peu le soutien et l'objectif player de la team. Nico c'est un petit peu le slayer, on va dire ça comme ça, celui qui fait les frags. Nico on quitte, j'aime pas trop son map s'il te plaît. Donc Nico c'est un petit peu le slayer, voilà, celui qui fait les frags. Ensuite, avec qui d'autre? Washis, je sais pas trop. C'est un petit peu le ferrailleur, même si moi aussi j'ai une classe au cas où. Delox, lui, je ne vais pas le classer, vu que c'est un débutant, il vient de s'acheter Call of Duty Modern Warfare 2 sur PC, tout simplement. Donc on ne veut pas, il est hors classement, tout simplement. Alors Nico, il est niveau 46 déjà, il a déjà réussi 2 bombes nucléaires, alors qu'il vient juste de refaire, de reset tous ses stats, on va dire ça comme ça. Et il a déjà réussi 2 bombes nucléaires, donc, bravo à toi. Bon Nico, on va faire un match à mort par équipe, hein, tout simplement. Donc bravo à lui. Alors moi, alors je vais vous montrer, j'ai raté ma nuke à 4 kills. Vous inquiétez pas, un jour qui sait, j'aurai cette nuke. Bah sinon j'aurai des trucs à vous dire. Alors bah rejoignez-moi sur Twitter, sur Skype et sur Steam pour savoir toutes mes actualités et pour savoir quand je joue, à quel jeu je joue, etc. Si je suis occupé, etc. Donc on est sur la VR et c'est pas une map que j'apprécie fortement, mais bon, on va jouer au barrette, on va essayer, voilà, tout simplement. Alors le barrette, bah, c'est les atouts de base, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, allez go, match à mort par équipe sur la map dérail. Alors, passer des grenades à fragmentation. Ok. Donc, on va essayer de faire une assez bonne partie au barrette de calibre 50. En espérant ne pas faire trop dite marqueur.
Match à mort par équipe. Voilà. Et on va jouer. Allons-y. Donc, on va essayer tout ça. On n'est pas très discret, on fait du bruit à mort même. Allez. On va essayer de faire un frag au moins. Marqueur. Ouais, un petit double. Ce sera dans mon montage, non, je rigole. On va pas fumer d'ennemi là. Ah, j'en ai vu un là. Ouais, bon. Les wallbangs, hein, ça va pas rentrer. Voilà. Ça fait déjà un petit 2-0. On dit pas non, un petit 2-0. Ouf. Désolé d'avoir sorti des guns, mais bon. On va pas faire le fou. Alors lui. Oui, bon. Aïe, mince. On va pas commencer à rager, mon pote. Hein. Au corps à corps, je pense pas que je vais sortir le sniper. Hein. Faut pas arriver. Hein. Alors là, j'allais avoir mon Predator, dommage. Alors lui. Je le jure. Alors, je suis pas le produit Quickscope. Hein. À la base, un sniper, c'est pour tuer les ennemis. Hein. C'est pas pour faire des noscopes, des Quickscopes à cause d'un map. Hein. Ok, les potes. On est d'accord. Alors là, j'en ai vu un. J'en ai revu un là. Ah, il m'a eu, bien joué. Alors, j'ai pas une très bonne précision, hein, le snipe. Comme vous le voyez. Alors, j'en ai eu un là. Alors, notre objectif, c'est de libérer notre missile Predator. Only snipe et son secondaire au cas où. Hein. Voilà, tiens. Voilà, c'est une bonne partie là, je trouve. Première fois que je joue, c'est tellement rare que je joue au sniper. Hein. Alors, j'ai un petit peu présenté la. Non, mais c'est bon, là, j'ai déjà un petit peu présenté la team. Alors là. Je sais pas quoi dire là. C'est mon premier live. Hein. C'est la première fois que je fais un live. Donc, pardonnez-moi si j'ai pas de sujet à aborder durant cette vidéo. Je sais pas quoi trop dire. Hein. Voilà. Oui, missile Predator. Alors, on va essayer d'avoir notre arrière. Ça serait vraiment super. Oui, arrière. Ah, je suis vraiment content là. Parce que je balance n'importe où. Voilà. Alors on va sortir les armes secondaires. Fais pas de chichi. Oh, en plus il y a du monde à la mort là. Ouais, bon, je me suis fait tuer. Donc je fais du 15-3. Au sniper, je dis pas non. Oh, j'ai fait un kill. Oh, c'était beau. Donc, je fais du 18-4. Only sniper plus arme secondaire, bien sûr. Donc, Nico, ça va, il se débrouille pas mal lui aussi. Avec un petit 10-4. Bien joué à peine, Nico. Ils ont pété mon arrière. Je suis pas trop déçu. Vu que. Il a fait un petit carnage quand même. Alors, j'espère quand même que ce live il vous plaira. Vu que je vous fais plaisir. On me demande du sniper. Je vous donne du snipe. Oh, 2-bit marqueur. Oh, un quick qui rentre. C'est tellement rare que ça rentre, ça. Ah mince, bien joué. Alors le barrette pour moi c'est un des meilleurs snipers. Sauf que la plupart des gens ils spray, comme on dit, si c'est ça c'est le mot exact. Ils spray en gros et ils mitraillent partout avec leur barrette. C'est pas très sympa pour nous, mais bon, on va faire avec, j'ai envie de vous dire. Ah, bien joué, il m'a ajusté avant. Il a bien joué. Alors on va essayer de rester à distance pour faire des kills au sniper et pas à l'arme secondaire. Oh non, ça je déteste les gens qui sont sniper et que dès qu'ils voient quelqu'un, ils se mettent direct à cuter. C'est limite, sans des armes secondaires, j'ai pas ragé, mais... Le cut, ça c'est vraiment
un truc que j'apprécie, mais vraiment pas avec les snipers. Allez, aide-moi, mec. Oui, merci. Il m'a protégé. Alors là, je sais plus où ils sont, les mecs. Je vois plus personne. Mince. Ok, le mec il va que sur moi alors que il a tout un groupe, mais bon, tant pis. Alors j'ai fait un très bon début de partie là, la fin de partie. C'est pas top top, bien joué Nico. Il a mis un petit quick là, ça fait plaisir. Hein. J'ai envie de dire. Bon, les wallbang. Faut pas rêver. Les grenades doubles. Ça faut pas rêver. Ça c'est sûr que ça arrivera pas toujours d'amis. Mais bon, à ça arriver. Donc, je dis pas non. Alors là ils ont un drone, mais ça vous le bien fait. Ça t'apprendra de vouloir me sniper. Ah, toujours attention. Non, c'était un allié lui. Il m'a fait peur. Oh là là, il a mis. Je sais pas comment il m'a vu là d'aussi loin. Vive le mec. Bien joué. Donc au corps à corps, faut pas rêver. Hein. Je vais pas gérer des mecs à la mitraillette. Hein. Non. Elle était en dernière bataille, je comprends. Ok, bon. Il joue un peu à la mitraillette, c'est pour ça que j'ai du mal. Et bon, je suis bien content de cette petite partie, de ce petit live qui se déroule pas si mal que ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez des snipers? Allez, on va faire un petit débat. Vous pensez que les meilleurs snipers ils sont sur lesquels Call of Duty? Et si vous avez plusieurs Call of Duty, bah, donnez-moi tous les snipers que vous préférez en commentaire de la vidéo. Ensuite, balancez-moi vos pseudo sims, etc. Si vous voulez venir dans le prochain live, dans le live, tout simplement, dans l'open lobby PC. Toujours à l'eau. Je le précise toujours parce que plein de personnes me demandent ouais, est-ce que c'est sur Xbox, PS3? Eh ben non, c'est sur PC. Ah mince, bien joué. Allez, faites la killcam les mecs. Voilà. Donc je finis sur un bon score de 27-13 et Nico sur un très bon score aussi de 18-11 au sniper. J'espère que ce petit live en propos de Détraque Nikos vous aura plu. Réagissez dans les commentaires, dites-moi quels sont les meilleurs snipers pour vous. Tout simplement. Moi je vous dis bye tout le monde et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 2. Allez, bye tout le monde.